toujours la même énergie. Ah, on essaye. Tant qu'elle est dans le public, il n'y a pas de raison que nous on l'ait pas, puisqu'on l'a, l'énergie, on la puise, si tu veux. Tu vois. Un concert de rock, ce qu'il y a de, bah, de rock ou d'autres, mais surtout le rock, c'est que c'est une histoire de transfert d'énergie. Tu vois. T'arrives sur scène, t'as la crève, t'es pas en forme et tout ça, il y a un phénomène qui se crée avec l'énergie de tes musiciens, du son, la vibration sonore, et le public, ce qui te renvoie, ça, ça fait une fusion d'énergie qui est magique. Enfin, moi, je fais de la musique pour ça. Sur le quai, sentir cette parfaite liberté, sans avoir un sentiment en poche. Allez, sans avoir un sentiment en poche. Sans avoir un sentiment en poche. Sans avoir un sentiment en poche. Un changement tellement. Tu vis enfin de ton art? Bon, j'ai toujours vécu de ça, parce que de toute façon, si j'avais pas fait ça, je serais mort. Que des musiques acoustiques, les trucs des Balkans, le klezmer, que des orchestres acoustiques. L'électrique ne me surprend plus trop, je suis trop dedans. Ça fait 40 ans que je fais du punk rock d'une certaine façon, avec des guitares, avec des accordéons, avec une vieille à la roue. Peu importe, c'est toujours du punk rock, du moins qu'il y a cette énergie et le message rebelle. Tu vois, le côté, on se fout des apparences, on se déconditionne. C'est ça le punk, c'est ce déconditionnement, arracher tout le carcan de principes à la con, de morale qui n'ont pas de sens, que sinon c'est lui de se faire enculer. Et joueur, tout en même temps. Ça m'est arrivé, j'avais 16 ans, j'allais à l'école, au lycée, et j'étais dans un marasme, tu sais, la crise d'adolescence, on dit que c'est une crise, c'est quelque chose de très violent, quoi. Parce que tu sens que tu peux perdre ta pureté, tu peux te laisser gagner par la corruption. L'éducation, c'est la corruption, tu vois. Et toi, tu veux échapper à ça, et tu cherches le... Et puis, à un moment donné, j'ai eu l'illumination, j'ai dit, putain, je ne serai pas comme eux. Et d'un coup, tout s'est dissipé. La crise était terminée. Et depuis, ben, je suis assez serein. J'ai jamais fait ce que je n'ai pas aimé qu'on me fasse ou qu'on m'apprenne. Je n'ai jamais appris à mes enfants, par exemple. Je leur apprends pas ça. Je transmets pas ce qui est mauvais pour moi. Tu vois, ce que j'ai senti de mauvais dans l'éducation, il y a des choses bonnes. Mais il y a beaucoup de mauvais si je ne transmets pas. Je refuse de transmettre ce qui est mauvais dans la tradition. Tu vois. Et ça s'appelle l'évolution. La jeune fille disparaît.
se prendre le vent, tu sens que tu petit peu abandonné. Mais j'ai créé mes savates pour un bon aristocrate sans cravate. Et j'ai découvert que tout ce que je cherchais à savoir était là. Là où il n'y a pas de lion, là où c'est toujours la récréation. À l'école de